Nous sommes avec Maurice Copin, dit Maurice Vachelier. On va en savoir un petit peu plus. Il y a une énigme. J'adore présenter tous ces événements parce que là, les 24 heures du Meux, vous avez bien entendu, mes amis, et vous le voyez bien à l'écran avec cette magnifique vache qui s'envole. J'ai envie de dire, Maurice, les 24 heures du Meux, c'est un clin d'œil aux 24 heures du Mans? Ah oui, évidemment, évidemment. On aime les jeux de mots, hein, les jeux de mollets même, si j'ose dire. On aime beaucoup ça dans Agathe the Blues. Rien que le titre du groupe qui fait partie de la programmation dont je fais partie, en fait, Agathe the Blues, là aussi, un jeu de mots. On adore ça, oui. Alors, On ça va. adore. C'est un événement qu'on vous conseille, les amis, parce que il va se passer plein de choses. Une programmation super chargée. Moi, j'ai envie de dire, Oui. lorsque je vois les 24 heures du Meux comme ça, je me mets dans la tête, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, si je lis en dessous où il y a marqué concert, loto, théâtre, enfin, conférence, cinéma, etc., il y a plein de choses. Mais si j'enlève la description en dessous, quand je vois une vache comme ça, je me dis, il va y avoir un truc avec des vaches, forcément. Bah oui, il y a un peu un fil directeur très orienté sur les vaches, effectivement. Parce que quand on va creuser, si vous allez donc sur le programme du festival, vous verrez que l'inauguration a lieu à 10h samedi avec un loto-bouze. Alors qu'est-ce qu'un loto-bouze? Il s'agit d'une petite parcelle, un petit territoire, enfin une petite parcelle dans le parc, avec des cases numérotées, et il va y avoir une vache dans cette parcelle, et au moment où la vache pose la bouse, eh bien là où tombe dans la case où tombe la bouse, le numéro gagnant est donné grâce à la bouse de la vache. Et on Mais gagne des lots, bien évidemment. on a envie de dire, lorsqu'on voit le titre de cet événement-là, et toi qui nous racontes ça, on se dit, est-ce qu'il faut prendre des substances illicites ou pas? Non, justement, en fait, elles sont déjà dans la tête. En fait, je crois qu'il faut juste se laisser guider. Vous l'avez compris, c'est quand même la dérision, la bonne humeur qui va guider tout ce festival, puisqu'après, par exemple, mais de façon très sérieuse, par exemple, à 13h, on aura une conférence sur la bouse dans tous ses états. C'est par un vrai scientifique, le professeur Lubaret de Montpellier, spécialiste des insectes bousiers, qui va nous faire une conférence très très intéressante et très documentée sur comment l'homme ou les animaux utilisent la bouse, en fait. Comment tout ce qu'elle nous apporte et comment on peut s'en servir. Mais Voilà. Donc, d'où est venu, oui. Maurice, cette idée-là? Oui. Eh bien, elle est venue, en fait, dans ma tête et dans la tête de mes copains du groupe Agathe the Blues, c'est que depuis très longtemps, en fait, nous, on utilise cet animal comme animal totémique, en quelque sorte, hein. On a toujours eu des vaches sur nos affiches. On a utilisé la vache pour nos affiches, etc. On a même fait un opéra bouse, là encore, un vilain jeu de mots. En 2001, on a fait un opéra bouse. Donc, on avait écrit un opéra qu'on avait joué au théâtre Jean Villard à Montpellier. Donc, on a toujours été obsédé par la vache. En fait, au départ, ça n'était pas vraiment parce que quand le groupe a été créé, on avait utilisé une tête de vache anamorphosée comme affiche. Et ça avait beaucoup intrigué tout le monde. Et le premier concert qu'on ait jamais fait, il y avait foultitude parce que tout le monde se demandait bien, mais quel est ce groupe qui a une tête de vache comme affiche, voilà. Et puis en fait, après, on s'est pris au jeu, c'est-à-dire qu'évidemment, on chantait pas que des trucs sur les vaches, mais au fur et à mesure, c'est venu, on a fait un fil directeur jusqu'à le paroxysme, le fameux opéra bouse. Après, on s'est libéré de la vache, mais on garde quand même une affection particulière pour cet animal. Donc, quand on a fait les 24 heures du Meux, on est revenu un peu au délire primitif. Et puis, ça a beaucoup plu aux gens de mon village parce que la mairie a adhéré, etc. Donc, de fil en aiguille, même moi, j'étais presque obligé de gêner, pas de gêner, mais de freiner les gens tellement ils partaient dans un délire. Par exemple, on a dû ajouter un concours de meuglement. Ouais, ça Les c'est gens disent, mais génial. il faut. Oui, il faut absolument un concours de meuglement. Donc voilà. Donc tout ça fait que ce sera dans la bonne humeur. Et puis tout ça, c'est la journée en fait. Il y a plein de choses, du théâtre, match d'improvisation, etc. Et le soir, il y a dans un autre lieu. Donc ça se passe en journée. Tout est à accès libre dans la journée, hein, j'insiste. Donc on peut faire de 10h à 19h dans le parc tous les spectacles qu'on veut. Et puis il y a un peu l'idée que C'est un peu l'idée des 24 heures du Mans aussi, dans l'idée que c'est intense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit.
Hein, c'est comme les pilotes, ouais. Ils sont dans leur voiture, ils se relaient, mais il n'y a pas de temps mort. Hein, la course a toujours lieu. Donc là, c'est un peu l'idée. Il y a toujours quelque chose à faire et il n'y a pas de répit pour le spectateur. Celui qui veut vraiment faire 24 heures, il peut les faire. Donc la journée, c'est accès libre. Et à partir de 20 heures, il y a un plateau avec trois groupes, donc Agathe The Booth, Bancal Chéri et Zoréol. Et puis, il y a une nuit de spectacle, effectivement. Donc, il y a des gens qui peuvent acheter des billets pour faire de 20 heures le soir à 8 heures le lendemain matin. Et dans la nuit, il y aura donc un concert de Zoréol, la deuxième partie. Il y aura un blind test, il y aura du yoga, il y aura un concert de quatuor classique, amissimo. Il y aura une soupe à l'oignon et il y aura un nouveau Agathe The Booth qui jouera en fin de nuit. Voilà. Et puis, il y aura aussi la sieste musicale qui a lieu de 5h45 à 6h45. Là, je pense que les gens, ils vont trouver le sommeil facilement. Oui. Alors, on a bien évidemment sur le site, c'est conseillé de venir pour les gens de la nuit. Donc, ça a été pas si facile que ça à faire adhérer. Hein, mais la mairie était un petit peu frileuse. Donc, on a limité la jauge. Donc, il n'y aura pas plus de 120 personnes la nuit qui vont voyager dans ce train de nuit, si j'ose dire. Et donc, on leur dit, ben, venez avec un matelas, un tapis de sol au moins, un sac de couchage, etc. Donc, on va être dans une configuration pas saine et spectateurs. On va nous se mettre dans la salle, et les gens vont nous encercler en quelque sorte. Donc, tout se passera à même hauteur pour le spectateur et les gens qui vont faire spectacle. Il n'y aura pas d'un côté une scène, de l'autre côté spectateur. Donc, ce sera très, très mêlé. Et puis, ça va continuer exactement comme les 24 heures du Mans. Ça va continuer jusqu'au dimanche matin pour finir aux alentours de midi avec la fermeture du festival. Mmh. Alors, c'est ça l'originalité de ce festival. Moi, je vous incite tous à aller aux 24 heures du Meux parce que c'est ça l'originalité. Ça veut dire que la journée, toutes les animations, tous les concerts, il se passe plein de choses. Il y a du poème, il y a du cinéma, il y a des... Des contes. Voilà, ouais, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mais en fait, tu as entièrement raison de dire... T'as entièrement raison, Maurice, de dire que vous pouvez venir de 9h30 à l'ouverture jusqu'au soir à 20h. Et puis en plus, là, ce qui est absolument génial, c'est de participer à ces animations durant la nuit, parce que là, ça peut être énorme. Voilà. Est-ce que c'est la première des 24 heures du Meux ? Oui, c'est la première. C'est la première. Et on espère pas la dernière. Ça va être énorme parce que ça va donner la jauge et vous allez avoir les retours un petit peu pour savoir pour l'année prochaine. C'est ça. On va voir si ce concept fonctionne. En tous les cas, il plaît beaucoup. On a à peu près une soixantaine de bénévoles dans le village qui vont participer, qui vont mettre en place ce festival. C'est une sacrée organisation parce qu'avec tous les spectacles qu'il y a, etc. Donc, il y a une équipe très motivée. On a hâte maintenant que ça arrive. On a une petite angoisse sur la météo, je ne vous le cache pas, mais on va faire entre les gouttes, on s'adaptera. On a des replis possibles en cas de pluie, etc. Alors, voilà, on est prêt. Pour les questions pratiques, alors ça se situe à Saint-Georges-d'Orque. Gens ne connaissent pas trop Saint-Georges-d'Orque, ça se situe où exactement? Alors, c'est dans la métropole montpelliéraine. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est à l'ouest de Montpellier. Alors, quand c'est sur l'axe Lodève-Montpellier, l'A750, c'est-à-dire que c'est l'autoroute qui part rejoindre l'A75. Donc, c'est en fait pas loin de Juvignac, les communes les plus proches de Saint-Georges. Il y a Montpellier, Juvignac et Saint-Georges. Et donc, c'est sur l'axe ouest de Montpellier. Voilà. Vous trouvez ça sur... Ouais, ils vont trouver facilement sur Internet. Et puis, s'ils téléchargent la programmation, il y a tout qui est vraiment bien fait. Oui. Et c'est ça qui est absolument génial. Vous avez vraiment pensé à tout. Hein. Ils peuvent venir aussi en voiture. Je suppose que pour stationner sur Saint-Georges-d'Orque, ça ne pose pas trop de difficultés. On a prévu un champ. Il y a quelqu'un du village qui nous prête un champ qui va pouvoir servir de parking. Donc, il y aura la place. Il n'y a pas de souci pour venir en voiture à Saint-Georges. On peut venir pour les plus près à vélo, à pied, etc. Mais pour les plus lointains, en voiture, il n'y a aucun souci. Il y aura du parking prévu. Et puis, il y a le tram et puis il y a le bus. En tout cas, vous pouvez y accéder vraiment tranquillement. Deux lieux. Ça va se situer sur deux lieux, sur Saint-Georges-d'Orque. Vite fait, c'est quoi ces deux lieux-là? Oui.
Alors, le deux lieux, le premier s'appelle le parc Courty, et en fait, c'est très simple, c'est un parc autour de la mairie. Donc, il suffit de taper mairie Saint-Georges-d'Orc Ouais. et vous allez trouver le lieu. Donc, ça, c'est de 10h à 19h. Et puis après, on bascule sur un lieu fermé, donc qui s'appelle le CCR, c'est le Centre communal des rencontres, qui était un peu comme dans tous les petites villes, hein, une sorte de gymnase, salle de spectacle, hein, salle à tout faire, qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Donc là, il y a une grande scène avec évidemment lumière, son, etc. Et donc, il y aura aussi bien sûr des food trucks, de quoi boire, etc. Donc on peut se restaurer, on peut venir à l'avance, on peut manger sur place, boire sur place, etc. Les 24 heures du Meux, les amis. Alors, il y a aussi une billetterie, on vous l'a expliqué, pour les concerts, bien sûr, et puis pour cette fameuse nuit qui va rester peut-être un grand mystère. On en saura peut-être un petit peu plus Oui. après l'événement. Alors, Oui, dis-moi. oui. J'ai un conseil parce que, en fait, on s'est aperçu dans ceux qui dans les achats des préventes, il y a beaucoup de gens motivés par la nuit. Et comme on a une limite de jauge, Ouais. on surveille ça parce qu'il se peut que les gens qui vont venir le jour même, il se peut qu'il n'y ait plus de place pour la nuit. Donc, si vraiment vous êtes motivé pour la nuit, donc vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez les 24 heures du Meux et en principe, vous tombez sur la programmation de Meux Productions sur le site et vous cliquez dessus. Et voilà, parce que là, on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas trop de monde la nuit pour cette première expérience. Voilà. Donc, on va C'est malheureusement limiter. les 24 heures du Meux, c'est ce week-end, concert, loto, théâtre, conférence, cinéma, marché paysan, jeux d'enfants, food truck, expo et plein d'autres choses vous attendent. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez faire gagner, bien sûr, un reportage avec nos équipes de télévision directement sur place, il vous suffit de voter le chiffre 2 que vous voyez en haut à droite de votre écran. Merci beaucoup, Maurice. Merci à vous et à bientôt donc.